First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the... Allez, nouvelle soirée, nouvelle partie de Kill Team. Ce soir, c'est Jordan alias Fuxor qui nous ramène ses Adeptus Astartes alias ses empereurs de l'humanité. Est-ce que tu peux nous présenter ta kill team? Ok, donc on va commencer par du coup mon leader, un intercesseur avec un bolter automatique, ensuite un vétéran avec lance-plasma. Bolter automatique, c'est mon spécialiste communication. Bolter normal. Combi, bolter plasma, bolter automatique, mon vétéran gunner avec un lance-plasma, un éliminator équipé d'un fusil de sniper, et voilà pour mon équipe. Voilà. Ok, ça marche. Alors, de mon côté, ce soir, ça fait un petit moment que je ne les ai pas sortis, ça va être le retour des Witch alias mes puputes. Alors, qu'est-ce que je vais avoir dans ma kill team? Je vais avoir mon leader Nightfiend, accompagné de deux Mandrex. Ensuite, j'ai une Hécatrix, ici spécialiste zélote. J'ai deux Gantley Hydre, une ici qui est spécialiste vétéran, et une autre qui est pas spécialiste, hein, elle est juste là. Ensuite, j'ai la spécialiste combat qui, elle, est en filet et en pâleur. Et ensuite, j'ai 5 autres witch qui sont équipés normal, des witch tout à fait normal. Ensuite, la seule chose à rajouter là-dessus, c'est que elles sont du culte de la lame maudite. Ça veut dire qu'elles vont ajouter 1 à la caractéristique de force des figurines, et de plus, quand je fais un test de sang-froid, je soustrais 1 au résultat. Je vais tout de suite en profiter pour jeter mon petit dé à la présentation des armées pour voir quelles drogues de combat elles auront. Ce sera 3. Et pour les drogues de combat, le 3, ça veut dire qu'elles ajouteront plus 2 à la caractéristique de mouvement durant cette partie. On se retrouve pour présenter la table. Alors, la table, elle est comme ceci. On joue le scénario numéro 2 qu'on utilisera pour le tournoi KTF qui aura lieu le 29 mars. Vous pourrez regarder l'event sur Facebook. Donc on a un objectif là, un objectif là, un au centre, un ici et un là-bas. Les déploiements seront de 3 pouces sur cette longueur de table, 3 pouces sur cette longueur de table là-bas. La mission bonus de ce scénario, ce sera de choisir une cible dans chaque kill team choisi par les propres joueurs pour leur kill team. Chez moi, ce sera mon Mandrex ici. Et Jordan, lui, a désigné son éliminateur ici. Voilà, ça, ce sera les cibles pour la mission bonus. Le terrain, vous le voyez, et on va se retrouver à la fin du déploiement. Fin du déploiement. Je me permets, je vais commencer par les Drukhari. J'ai mes 3 Mandrex qui sont en FEP. J'ai 2 Witch normal ici. J'ai une Gantley Hydre là. Une Witch normal. La filet et en pâleur qui est ici. Une Witch normal. De ce côté là, j'ai une Witch normal encore une fois. La Gantley Hydre spécialiste vétéran. Et la Zélote Hécatrix. Jordan, rappelle-moi la règle que tu as utilisée pour ton éliminateur, qui s'appelle position camouflée. Voilà. C'est-à-dire que à la fin de la phase de déploiement, je l'ai fait à la fin de la phase de déploiement pour que ce soit plus clair pour tout le monde. L'éliminateur a une cape de camouflage qui lui permet en fait de se positionner partout sur la carte à 9 pouces de la zone de déploiement
de l'adversaire. Ok, donc c'est pour ça que tu as pu la placer là-haut, hors de ta zone de déploiement. Et autrement, au niveau de tes placements, tu as les deux là, tu as les trois là, les deux là. Donc ça, c'est la fin du déploiement. On va tout de suite se diriger pour le mouvement du tour 1. Fin de la phase de mouvement du tour 1. Elle était là, elle allait se mettre sur le point pour faire en sorte de ne pas être en ligne de vue de ces messieurs. L'autre advance jusqu'à ici. En même temps, de l'autre côté, les Space Marines se sont mis sur l'objectif pour le tenir. Là-haut, il s'est préparé. Les Witch, mes puputes qui étaient là, ont advance pour se mettre 3 ici. Et comme j'ai 10 en mouvement, j'ai fait une advance de port à 16. Oui, vous avez bien entendu 16, donc j'ai pu aller me mettre là en bas avec l'autre. Et ensuite, celle qui était ici s'est mise sur le point et s'est tournée de sorte à ce qu'elle ne soit pas en ligne de vue. Des messieurs là-haut, Queenie Mary, elle a advance pour se mettre derrière le mur. On va parler d'elle juste dans un instant. On dit d'abord ce qui s'est passé là. Eux sont montés à l'étage pour se faire des lignes de vue. Et ensuite, le petit tricks du tour 1. C'était quoi? En fait, j'avais 2 points de com, c'est une spécialiste vétéran. J'ai d'abord claqué 1 point de com pour faire donc le mouvement du vétéran avant le début du tour 1, donc elle était là. Elle a fait son mouvement avec l'advance jusque là. Et ensuite, c'était à Jordan l'initiative du tour 1, mais j'ai claqué mouvement décisif. Qu'il m'a laissé passer, et le mouvement décisif, j'ai déclaré une charge sur les deux qui ne se sont pas repliés et j'ai réussi à les lock. Donc c'est important, si vous jouez des kill teams de corps à corps, c'est un trick qui peut être pas mal, mais sachez aussi que si vous jouez contre des figurines, des kill teams de corps à corps, essayez d'espacer vos figurines pour éviter de se faire lock trop de bonhommes en même temps. Donc ça, c'était le petit trick du tour 1, mais maintenant on va faire parler la poudre. Alors, fin de la phase de tir. Lui là-bas a tiré sur elle, il l'a touché, il l'a blessé, mais heureusement sa Feel No Pain à 6 a réussi à la sortir de la panade. Avec son plasma, il a fait une blessure légère sur elle. Lui, avec son Bolter, a tué la Witch Fighter avec les Gantlets Hydre. Le sniper n'a malheureusement pas réussi à faire plus. Au niveau de la phase de tir, on s'arrête là. Et on passe au corps à corps juste ici. Corps à corps du tour 1, la Witch Fighter avec ses Gantlets Hydre a donc 2 attaques de base plus les Gantlets Hydre qui lui donnent une attaque en plus. J'ai donc une 3+, les 2 dés orange seront pour le Primaris à gauche et le dé noir pour le Space Marines à droite. Une 3+, donc déjà le Space Marines, lui, il ne va rien voir. C'est des Gantlets Hydre chez les Drukhari, ça relance les jets de blessure. Elle a une force de 3 de base qui passe à 4 grâce à son culte. Tu as une endurance de 4, Jordan, c'est donc du 4+, relançable. Relançable, voilà. Tac, donc Jordan, tu peux faire tes saves à P à moins 1. Donc tu as une 3+, qui passe à 4+. Tu en rates une. Ça fait donc juste un point de vie en moins. On va te mettre le petit dé vert à côté. Et donc du coup, c'est à toi de riposter avec tes bonhommes. Donc j'ai 2 attaques de lui et j'ai 1 attaque pour lui. Ok. Donc on va faire les 2 attaques orange pour le Primaris et 1 attaque noire. Ouais, on peut les faire ensemble. Normal. Ok, 3+. Ils ont donc tous les deux
une CT à 3, à une CC à 3+, et une force à 4. Ok. Bon. Du coup, c'est le primaris qui réussit à mettre une beigne. Une force de 4 contre mon endurance de 3, c'est du 3+. Ça passe. J'ai une invue à 4+, avec l'esquive au corps à corps. Ça tente. Le corps à corps du tour 1 est donc terminé. On se retrouve pour faire le compte sur les scores. Alors, le score à la fin de tour 1. De mon côté, je marque un point parce que je contrôle un objectif, un deuxième point parce que je contrôle plus d'objectifs que mon adversaire, et je marque l'objectif secondaire, engagez-vous sur tous les fronts. J'ai donc 3 points de victoire au tour 1. Je fais le tour du côté de mon ami Fuxor qui lui contrôle au moins un objectif. Il m'a mis la figurine hors combat là-bas. Et donc il a mis plus de figurines hors combat que moi. Le score à la fin du tour 1 est donc de 3 à 3. La fin du mouvement du tour numéro 2. Mes Mandrex, je les ai tous fait pop ici, là et là en bas. Elle reste là pour tenir le point. La Witch qui était dans ce décor est allée charger ce personnage-là qui s'est replié de 3 pouces, mais elle a quand même réussi à le lock. Ça s'est préparé, ça s'est préparé. Elles ont avancé pour pouvoir se mettre hors de ligne de vue. Pour les tirs, elle est restée là. Queenie Mary, elle a réussi sa charge sur les deux là pour les lock encore une fois à ses tours. De l'autre côté, la Witch qui était là en bas est allée à l'étage pour charger ce Primaris là-bas. Et ce bonhomme a chargé en contrepartie la Witch. Les autres se sont préparés. On arrive donc à la phase de tir de ce tour 2. Phase de tir, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ici, le Primaris là. Non, c'est un Space Marine ou un Primaris lui? C'est un Space Marine normal. C'est un Space Marine normal. Il a tué la spécialiste combat située là en bas avec cet angle de ligne de vue à travers les barres. Ensuite, on a le sniper là-haut qui a essayé de tirer sur lui, mais ça n'a rien fait. Il y a eu un tir en contrepartie, il a tanké sa save. On a le plasma qui a tiré en plasma plus bolter avec son combi. Il a mis une blessure légère sur ce Mandrex. Et en contrepartie, il n'y a rien eu. Donc on passe à la phase de combat où on aura ce corps à corps ici. Et ce corps à corps là-bas. Phase de combat. On va d'abord commencer par ce corps à corps. Ma Witch va mettre ses 3 attaques dans le leader. Ses 3 attaques à 3+. Il y en a une seule qui passe. C'est une force de 3+1, 4 pour le culte, donc 4 contre 4, 4+, ça blesse, tu as une sauvegarde PA 0, donc une save à 3 qui est ratée, tu perds un point de vie, donc le leader n'a plus que un point de vie. Ensuite, toi tu avais ce gars là qui a chargé, donc lui va taper sur elle. Donc c'est 2 attaques. 2 attaques à 3+. À force 4, endurance 3, 3+. Une save invulnérable à 4+. Ça tank. Ensuite, on se dirige sur ce corps à corps puisqu'elle a chargé à ce tour. C'est une zélote. C'est une Nécatrix. Elle a donc 3 attaques de base, plus une parce qu'elle est zélote. On va répartir en mettant des deux oranges.
les deux oranges pour le Primaris, qui est là, les deux noirs pour lui. Elle a donc 4 attaques à 3+. Il y en a 3 qui touchent. C'est une force de 3 de base, plus 1-4 pour le culte. C'est une Zera, donc force 5, contre endurance 4, c'est du 3+. Il y a une attaque qui passe par tête. Elle a une épée énergétique, PA-3. C'est donc une save à 6+ pour chacun. Donc les deux ratent leur save. Lui d'abord perd son dernier point de vie, donc j'ai de trauma. 1. J'ai plus de points de com, donc ça fera une blessure légère. Et ensuite, lui, il avait plus qu'un point de vie. Il perd donc son dernier point de vie. J'ai de trauma. 5. Donc lui, il est censé mourir. Mais nous connaissons notre ami Fouxor. A-t-il 3 points de com de côté, par hasard? Il va mourir. Il va mourir. Très bien. Donc du coup, le corps à corps repasse dans l'ordre normal, c'est-à-dire tu choisis une figurine pour taper, et dans ce cas je pense que tu peux prendre le leader là, ou celui-là, c'est au choix. Hein. Celui-là ou le leader, d'abord. Je vais faire taper le leader. Donc le leader, ici, il va taper sur ma witch. Et du coup je vais claquer un point de commandement pour utiliser une stratégie de faction qui s'appelle Ange de la Mort et me rajouter donc une attaque. Ok, très bien. Voilà. Donc ça t'en fait 3. 3 attaques à 3+. Et ben heureusement que c'est un ange de la mort. Hein. Ouais. Force 4, endurance 3+. Ça blesse. C'est de l'invu à 4. Et ça ne tanque pas. Je ne peux pas relancer. Ah, Phil no pain à 6. Non. Ça fait donc un jet de trauma. 6. Elle est donc morte. C'est une spécialiste ? Ce n'est pas une spécialiste. Ensuite, je choisis cette witch pour taper sur lui. Elle a donc 2 attaques de base, plus son arme. C'est sur lui 3+. Ah bah voilà. Hop. Force 4, endurance 4, 4+. Ça blesse. C'est de la PA à 0. Save à 3. Ça fait 4. Ça tank. Et donc lui, pour finir, va riposter sur qui ? Ben, du coup, sur elle. Ok, une attaque à 4+, à 3+, une save à 4, c'est tanké. La phase de combat est donc achevée à ce tour. Un mort au corps à corps là, un mort au corps à corps là. Allez, on passe au score. Et on n'oublie pas que celle-là aussi, elle est morte à ce tour. Allez, scoring. Donc, petit glissage de vidéo par rapport à la phase de combat, on avait oublié ce corps à corps là, au final elle n'avait rien fait sur lui, lui lui a fait une blessure légère, elle a fait un test de sang-froid à la phase de morale et elle a réussi, donc aucune incidence sur le reste de la partie si ce n'est qu'elle a une blessure légère. Avant le scoring, on a ici le Mandrex qui a une blessure légère, donc il a un test de sang-froid. Il a un commandement de 7, je jette un dé, donc 6, j'ai 3 morts, 7, 8, 9. Donc mon Mandrex ici, c'est important de le préciser, hop, je vais le bon pion. Voilà. Le Mandrex, ici, à ce tour, est donc sonné à la fin de ce tour. Voilà, c'est le seul qui avait une blessure légère. Jordan, tu as aussi une blessure légère ici avec ton Space Marines, mais tu n'as qu'un mort de côté, tu ne peux techniquement pas le rater. On passe au score. Donc le score, on était 3 à 3 à la fin du tour 1. On est donc à la fin du tour 2. Je remarque un point parce que je contrôle un objectif. Un deuxième point parce que je contrôle plus d'objectifs que mon adversaire. Un troisième point parce que je mets au moins une figurine hors combat, c'est-à-dire la figue qui était ici au corps à corps. Et là où j'arrive à marquer pas mal de points, c'est que je remarque, engagez-vous sur tous les fronts avec cette figurine-là, les figurines-là,
celle-ci ici et les figues ici. Donc je remarque en engagez-vous sur tous les fronts. Taille en pièces parce que à la phase de combat, j'ai mis une figurine hors combat pour rappel, celle-ci qui était là. Et enfin, territorial parce que je mets hors combat une figurine ennemie qui était dans l'une ou l'autre zone de déploiement. Et encore une fois, c'est celle-ci. Mon score est donc de 8 points à la fin de ce round 2. Du côté de Jordan, tu avais 3 points, comme moi au premier tour. 4 points parce que tu contrôles un objectif, 5 points parce que tu mets une figurine hors combat, 6 points parce que tu en mets plus hors combat que moi, c'est-à-dire celle qui était là-haut et celle qui était là en bas. Et enfin, le 7ème point parce que tu mets cible d'importance en tuant un spécialiste, parce que effectivement la witch qui était là en bas était une spécialiste combat. On est donc à 8 à 7 à la fin du tour 2, début du tour 3. Donc, fin de la phase de mouvement. Le Mandrex là-haut s'est préparé. Lui, de toute façon, il est sonné. Le leader, ici, a chargé sur lui. Hein, j'ai même dit qu'il chargeait sur les deux. Donc, au moment du corps à corps, il pourra faire son petit mouvement de 3 pouces pour lock l'autre. Sachant que j'ai dû reclaquer un point de com parce qu'il a, raté sa charge sur le premier jet. Ce Space Marines qui était là derrière s'est mis au balcon. Celui-là qui était là où il est descendu pour avoir une ligne de vue sur elle. Là-bas, il est resté au corps à corps. J'ai laissé les miennes également. Voilà pour la phase de mouvement. On y va, phase de tir, lâcher les pluies de Bolter. Alors, on en a quelques-unes à raconter, hein. Lui, sur son balcon, a tué cette figurine sur son tir. Là-bas, il ne s'est rien passé. Là, il ne s'est rien passé. La chose a beaucoup détaillé. Elle se passe là. On avait donc ma petite Queenie Mary, mon Ecatrix. Elle était au corps à corps. Elle a utilisé son pistolet Dislocker à la phase de tir pour lui tirer dessus et elle l'a tué. Suite à quoi j'ai utilisé la tactique d'Okari tirer et disparaître, ou après avoir tiré, je peux faire un mouvement de 7 pouces, d'où le fait qu'elle se retrouve ici. Ensuite, suite à ça, celle-ci n'était donc plus au corps à corps, il en a profité pour tirer avec lui dessus, et il l'a tué. Ça, c'est pour récapituler la phase de tir. On a donc maintenant la phase de combat, qui va se situer là en bas, entre E2 et E2. Donc, d'abord, le petit pile-in, toc, pour lock les deux, étant donné qu'il avait chargé ce leader. C'est donc lui qui va avoir l'honneur d'ouvrir les hostilités. Je vais faire comme avant, je vais prendre deux dés orange pour la figurine sur la gauche, et les deux dés noirs pour la figurine sur la droite. Le Mandrex, il a quatre attaques. 4 attaques, hop, donc il y en a une qui rate, 3 qui passent. Le Mandrex, lui, il a une force de 4 contre une endurance de 4, c'est donc du 4+. Il y en a 2 qui passent, tu as 2 sauvegardes à moins 1 à faire sur celui de gauche. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on passe par rang d'initiative, et c'est moi qui ai eu l'initiative à ce tour, donc elle va d'abord taper. Elle a de nouveau ses 3 petites attaques, par contre on est au tour 3, donc elle touche sur du 2+. Elle a moins 1 parce qu'elle a une blessure légère. Bien vu, 3+. Tac. Et c'est de la force 4, en euros 4, 4+. Tu as 2 saves à 3+. Il y en a une qui rate. J'ai donc sur lui, étant donné qu'il a que un point de vie, un jet de trauma à faire, c'est un 3. J'ai plus de points de com pour le relancer, donc c'est une blessure légère pour lui. On va tout de suite la mettre à côté. Tac. Du coup, riposte dans l'ordre que tu veux, lui ou lui, de toute façon, il n'y a plus que qui peuvent taper. Bah, les deux,
en fait, vont choisir de taper sur ton leader. Ok, les deux tapent sur le leader, sachant que c'est du moins 1 pour le toucher. Donc, c'est du 3+ qui passe à 4+. Qui passe à 4+. Voilà. Qui passe à 4+, donc il y en a une qui passe. C'est de la 3+. Il a une 1 vue à 5. Ça réussit. On a tout fait. Voilà pour le corps à corps. On se retrouve pour la phase de mort. Du coup, lui, il a 2 morts. Mais étant donné que lui devrait faire un test de sang-froid, il a un pouce d'une figurine amie, donc même s'il fait un 6, il ne peut pas rater son test de sang-froid. De toute façon, tu les relances parce que tu es un Space Marines. Par contre, moi, elle fait un test de sang-froid. Alors, c'est bien simple. J'ai 5 figues qui sont mortes. Donc, ma seule manière de faire qu'elle ne fuit pas, c'est de faire un 1. C'est pas le cas. Donc, elle, déjà... Hop, elle est secouée. Cette figurine là fait aussi un test. 1-1, c'est bon. Celle au-dessus ici, elle fait un test. 1-3, elle est secouée. Très important de faire vos tests de morale parce que ça peut changer la donne par rapport au... Par rapport au scoring, si une figurine tient un point ou autre, et si on fait le tour, on n'a plus d'autres figurines qui a de tests à faire, donc on a fini avec la phase de morale. On va donc pouvoir compter les points. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its breath. La phase de tir a pas été très folichonne, c'est-à-dire qu'elle avec son pistolet à travers son petit trou, hop, elle a visé le primaris là-bas, elle n'a absolument rien fait. Le primaris a tiré en contrepartie, il n'a rien fait. Alors dans l'ordre, il faut comprendre que celui-là, tu peux lui mettre un pion de charge à lui, comme ça on le sait. Le snipe était là-haut. Il a chargé la witch qui est là en bas, donc il a dû faire un test pour sauter à 2 dés de 6 parce que le décor fait 7 pouces de haut. Sur 5+, il se prenait de la mortelle, il a fait 2-1, donc c'était bon. Ensuite, il est allé lock celle-ci au corps à corps qui avait au préalable chargé celui-là à ce tour au corps à corps. Son leader, il l'a posé là en bas. Tout ce petit pack-là, ici, est au corps à corps. La phase de tir étant terminée, on va donc passer à ces corps à corps là et ces corps à corps là pour dans l'ordre de l'initiative. Phase de corps à corps. J'ai l'initiative, je décide donc de commencer par ce corps à corps avec cette figurine qui a chargé sur lui. C'est donc la fameuse Queen Mary qui a 3 attaques. Plus une parce qu'elle est zélote, elle a chargé à ce tour. C'est du 2+. Tout touche. C'est de la force 3 qui passe à 4 avec le culte, qui passe à 5 parce que c'est une zélote. C'est du 3+. Il y en a 3 qui passent. C'est 3 saves AP à moins 3. 3 saves à 6. Ça fait de toute façon que un dégât. Épée énergétique, ça fait que un dégât. On a donc, hop, ça fait un 4, donc elle arrive à le tuer. Ensuite, tu as chargé avec l'éliminator, donc lui va pouvoir taper sur ma witch. Il a combien d'attaques? 2 attaques, à 3+, pouh, décidément. Donc, lui a tapé. Ensuite, elle avait chargé, donc elle va taper sur l'éliminator, tu vois, comme ça c'est fait. C'est une witch normale. Elle a 3 attaques, donc 2 de base, plus l'âme des Katari qui donne une attaque de plus, c'est sur du 2+. Alors 2+, pour ceux qui comprennent pas forcément, c'est par rapport au fait que, hop, je switch sur la puissance par la souffrance,
là. C'est-à-dire qu'au tour 3, on ajoute 1 au jet de touche pour cette figurine à la phase de combat. Et au tour 4, on peut relancer les tests de sang-froid ratés. Revenons à nos moutons. Donc, on a les 3 attaques qui passent. C'est de la force 4, quand on a une endurance de 4, c'est du 4+. Il y en a 2 qui passent. C'est de la PA 0, les lames des Katari. C'est donc 2 saves à 3+. Il y en a une qui rate, donc il perd simplement 1 point de vie. Il sera safe, puisque de toute façon, c'est lui la cible qui aurait pu rapporter 3 points, mais comme il a plus personne qui pourra le taper au corps à corps, il pourra donc pas mourir à cette partie. Ensuite, donc j'ai tapé avec elle, à toi de taper avec lui ou lui. Je vais taper avec lui. Sur Elle qui est secouée. Sur celle qui est secouée, parfait. Donc lui il a combien d'attaques? Il va claquer un point de commandement. Donc j'avais 5 points de commandement, je passe à 4 pour avoir Ange de la Mort et du coup pour avoir une attaque de plus. Ok, alors de toi à moi, en même temps on le filme, il a une blessure légère. Je l'aurais peut-être relancé sur l'autre qui n'a pas la blessure légère, mais. Vu que j'ai la psychologie transhumaine, j'ignore la première blessure légère qui me fait absolument aucune. Bien vu. Voilà. Eh ben, les deux touches, 3+, les deux blesses, c'est de la Feel No Pain à 4+, de l'esquive à 4+, une qui rate, Feel No Pain à 6, ça rate, ça fait donc une blessure légère. Ça fait 4. Elle en avait déjà une et de toute façon 4. Ça l'a tuée forcément. Hop. Elle est donc morte. Ensuite, je choisis mon dernier pour taper, c'est-à-dire lui, qui va mettre ses patates sur le gars là-bas, puisque c'est le dernier qui peut encore taper. Alors lui, il a 4 attaques. 3 et 4. Pareil, sur du 2+, parce que les Mandrex aussi bénéficient de la puissance par la souffrance. Eh ben, malgré ça, il y a quand même une qui rate. C'est de la force 4, contre l'endurance de 4. C'est du 4+. Il y en a une qui passe. C'est de la PA moins 1. C'est une save à 4. Ça ne tente pas. Et c'est donc un jet de trauma qui fera 6. Et donc, le leader, il tue cette figurine. Est-ce que tu as encore 3 points de com? Oui. J'ai 3 points de com. Regardez, retour en arrière. Et je vais donc claquer le stratagème Space Marine, donc Adeptus Astartes en version Kill Team, qui dit refus de mourir. Donc voilà. Il est passé à 3 points de commandement avec le Kill Team annuel 2019. Ah, mais quel homme! Voilà, donc on rappelle toutes les règles histoire que ce soit fun. Donc pour 3 points de commandement, donc il meurt pas. Votre figurine. Avec une blessure légère. Voilà. Ok, et eh ben on va lui mettre sa petite blessure légère des familles. Hop. Et hop, mesdames et messieurs, on en a terminé avec les corps à corps. On va comptabiliser tout ça et se faire un scoring. Fin du tour numéro 4 et dernier tour de cette partie. Donc phase de morale, on vient déjà de jeter le dé pour lui, donc lui il a fait un 1, donc il réussit auto son test. Moi j'en ai une là, donc de toute façon moi c'est bien simple, ça c'est mes morts. Donc c'est sur du 1 qu'elle le réussit, je peux le relancer grâce à la puissance par la souffrance. Elle le réussit. Ensuite, lui là-haut. Je peux relancer, non, lui il est donc... secoué. Lui là en bas, on peut relancer, il est secoué, et puis on est bon pour les tests de morale. Maintenant on peut faire le scoring. On a donc compté nos petits points. À la fin du tour 3, j'avais 12 points. 13 points parce que je contrôle un objectif ici. 14 points parce que je mets une figurine hors combat. Et 15 points parce que je taille en pièces la figurine au combat qui était là-bas. Ils sont pas beaux les stylos KTF là? Allez hop, on passe. Jordan, tu avais 10 points.
à la fin du tour 3. 11 points parce que tu contrôles un objectif. Ici. 12 points parce que tu contrôles plus d'objectifs que moi. Non, tu n'en contrôles pas plus. Tu en contrôles 2, un là, un là. J'en contrôle un là, un là. Donc en fait, là, on s'est gouré. Donc on est à 11 points. 12 parce que tu mets une figurine hors combat. On en a tous les deux mis une hors combat cette phase, donc voilà. Donc on a dit 10, 11, 12. Et enfin, 13, 14, 15, parce que tu as domination, tu as tenu ce point-là de manière héroïque durant tous tes tours. Ça te donne 3 points. Pardon, ça c'est pour l'objectif. C'est pour tenir l'objectif, ça, voilà. C'est pour tenir. Et la domination, c'est pour celle-là, ici. Donc, tu arrives à 16 points en tout. Ça nous fait une partie finale de 16 à 15. Jordan. Bravo. Bonne game. Et donc, on va finir par l'habituel débriefing de la partie. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, Jordan, alias Fuxor, on se retrouve après cette partie absolument intense qui s'est finie sur le score de 16 à 15, très serré. Alors moi, je vais faire mon petit débrief de mon côté. Bon, j'ai joué Witch, ça faisait un moment que j'avais pu jouer. Ça me plaît toujours autant d'avoir du CAC. Maintenant, c'est vrai que quand t'as l'habitude d'avoir quelques armées, quelques kill teams avec un peu de tir, de choses comme ça, ça change, mais bon, c'est pas plus mal. Techniquement, je pense que sur mes mouvements, sur mon jeu, je pense que ça va. Je me plains pas trop, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Même le coup de l'Ecatrix là qui était sur le coin à un moment que j'ai tué ton gars avec le Dislocker pour ensuite me mettre un peu plus loin. Enfin, non, l'effet de jeu était plutôt pas mal. Ça m'a bien surpris. Je t'avoue que là, quand t'es arrivé quasiment T1, du coup, contact sur l'objectif avec que la je tenais, vétéran. Ouais. Voilà, avec la vétéran. Moi, je t'avoue que pour moi, ça a fait le petit effet au moral qui me dit ouais, oh, il est déjà au contact en terrain, qu'est-ce que je vais faire tour 2, etc. Donc du coup, je me suis mis à bien réfléchir. C'était pas mal, peut-être que l'erreur, j'avais envie de prendre le point au milieu avec ma vitesse. Maintenant, c'est vrai que je me suis fait tirer comme un lapin au centre du terrain parce que j'étais sur l'objectif et que t'avais les gars qui pouvaient me tirer dessus. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, j'aurais dû peut-être la jouer autrement, mais bon, c'est fait comme ça. Moi, perso, la partie m'a vachement bien plu. J'adore quand c'est serré comme ça au niveau des scores. Donc 16 à 15, victoire de Jordan, ça me fait très plaisir. Et je vais te laisser la parole pour faire ton débriefing que tout l'univers attend. L'empereur a l'eau à la bouche. Il n'attend que tes bénédictions. Jordan, alias Fuxor, la parole est à toi. Ok. Donc moi déjà au niveau du calcul de points, je vais parler de ça dans un premier temps. Après, je vais parler de ma stratégie, de la façon de jouer. Et puis je vais parler du fait que j'ai gagné. C'est quand même rare pour moi. C'est parce que, moi à la base, j'ai commencé à peindre des figurines pour jouer à Warhammer 40 000. Et c'est un petit peu toi qui m'a converti. Donc j'attendais ma première victoire. Elle vient au bout d'un certain moment pour pouvoir dire ça. Donc merci de m'avoir converti à Kill Team, parce que c'est vrai que en tant que joueur 40K et convaincu, c'est vrai que je m'attendais pas à retrouver le même plaisir de jeu, mais si on peut retrouver du plaisir, on peut retrouver de l'intensité, on peut retrouver du jeu tour par tour, on peut trouver des gestes mythiques, des choses qui vont bien. Et ça, franchement, je vous conseille, vous joueurs de 40K qui hésitez, jouez, testez Kill Team. Franchement, ça défonce. Voilà. Alors, je vous jure que je ne l'ai pas payé pour dire ça. Hein. Voilà. Moi, j'ai pas été payé ce soir. C'est vraiment ça vient du fond du cœur. J'attendais ma première victoire pour le dire. Aujourd'hui, je gagne, donc je le dis, c'est sincère. Essayez, faites votre choix, mais franchement, c'est un super jeu. Faut persévérer, quoi.
Quelque chose qui a vraiment bien marché, c'est tes nouvelles feuilles de calcul de points. Franchement, le fait de noter et d'avoir un résumé de points tour par tour, voilà, vous ferez pause, vous regarderez comment faire, comment calculer les points. Franchement, c'est génial parce que ça vous facilite le truc. Et à la fin de votre tour, vous n'êtes pas là en mode bon, il nous faut bac plus 18 pour calculer les points de ceux qui a gagné quoi. Faites-vous des fiches, c'est tout simple. Et après, au niveau du calcul des points, ça ira beaucoup plus vite. Ouais. Et vous passerez beaucoup plus de temps à prendre plaisir à jouer. Pour le tournoi Kill Team France, il y aura des feuilles spécifiques à chaque table avec le score des deux joueurs cumulés sur une seule feuille. Ce sera plus facile pour comptabiliser les points. Et ça permettra de ne pas avoir d'embrouille entre les joueurs pour les différents scoring. Vous voilà. Pourrez voir ça sur les fichiers de l'événement sur le groupe Open First KTF. Ok, donc maintenant on va parler juste de la partie, hein, parce que j'en ai un petit peu à dire. Donc du coup, au niveau de la composition de mon équipe, bah, je suis ton conseil Alex, en mettant un éliminator et un seul. 3 c'est trop cher les gars, 3 c'est beaucoup trop cher, mais 1 ça fait le café, 1 ça marche, ça fait le tir avec les multimortels qui vont bien, et ça fait le café, ça tire de loin, ça utilise la règle cap de camouflage pour se positionner, prendre un objectif avant les autres, etc. Franchement, ça marche du feu de Dieu. Les plasmas, comme d'habitude, c'est fiable, ça tire fort, il faut les garder. Après, du coup, moi j'ai encore un petit problème d'équilibrage, je devrais rajouter du corps à corps. Ça manque encore de corps à corps dans mon équipe. Oh, peut-être. Hein. Regarde là, t'as affronté une équipe full corps à corps et pourtant tu t'es pas démerdé comme un manchot. Hein, donc, C'est vrai. Après, si on regarde en fait mes mouvements, du coup, là où j'ai joué tactique, c'est que effectivement lui c'était la cible à abattre que j'ai mis tout en haut d'un bâtiment. Si vous vous souvenez, vous regarderez la vidéo. En fait, je me suis amusé à faire un jeu d'ascenseur, c'est-à-dire que sachant qu'il allait venir me loquer au corps à corps, j'ai mis au deuxième étage, j'avais mis deux figurines en sachant que lui il allait venir et du coup le bloquer sur. Parce qu'il y a 4 tours, donc Kill Team ça se joue en 4 tours. Donc si vous le bloquez pendant 2 tours où il essaye de choper. Ça peut se jouer en plus, hein, mais c'est juste que dans nos formats on s'arrête à 4 tours comme dans les formats compétitifs. Voilà. Mais effectivement, c'était bien joué le coup des étages parce que j'ai pas pu monter jusqu'à là-haut pour aller le chercher, ce filou. Voilà. Alors, peut-être un dernier move au dernier tour où je fais un peu preuve d'amateurisme en sautant du bâtiment et en allant prendre l'objectif du milieu. Et surtout, là où en fait je me suis foiré vraiment sur mes mouvements, c'est à la fin sur l'objectif de droite. Je voulais vraiment en fait l'impacter et lui raser les deux figurines qui avaient l'objectif en vue avec. Ouais. Et les deux witch. C'est ça. Malheureusement, en fait, j'ai réussi qu'à m'approcher et en fait finalement je me suis retrouvé avec un leader un peu inutile qui était devant l'objectif, qui le regardait à deux pas mais qui faisait pas grand chose finalement. Donc bon, c'est un peu dommage de ce que j'ai là, mais je suis ravi d'avoir disputé cette partie. Le fait que ce soit serré, ça rajoute vraiment en intensité, parce que bon, quand on se fait rouler dessus avec un écart de 10 points, c'est jamais marrant. Après, je concède pour mon anniversaire aussi qu'il y a eu un petit craquage de GD de son côté. Non, c'était stat. C'était stat, sur ça c'était pas mal. Par contre, je tiens à dire que tu n'as pas perdu ton leader tour 1, ça c'est une nouveauté. Mais sinon, voilà, débrief propre, correct, carré comme d'habitude. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on va vous dire, comme d'habitude, à la prochaine, les Kill Teamers. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont envie de venir, il y aura le tournoi First Open KTF dans la région de Strasbourg le 29 mars. On vous y attend nombreux. À plus, les Kill Teamers.